Bon. Ah. J'ai assez mal dormi là non. On va aller voir la mer, hein. C'est juste à côté. Je pense qu'on va prendre beaucoup de route. Il faut trouver une station Repsol parce que c'est qu'eux qui font du café le matin. Et la Ricorée s'est renversée dans le sac avec de l'eau, il y en a partout, c'est dégueulasse. Il faut trouver un Rio ce soir pour tout nettoyer. Là j'ai la tête dans le cul parce que j'ai mal dormi, j'ai pas bu de café. De faire ta pleureuse. On a trouvé le petit café super sympa avec un tas de petits vieux à l'intérieur qui nous ont donné plein d'infos pour comment faire la soirée de demain au bord de la côte. Bon allez, un petit café, ça repart. Alors on va commencer par un peu de pistes, voire pas mal de pistes en fait, hein, jusqu'à la Jonquera. La Jonquera, il va falloir la traverser sans se faire éclater et sans se faire arrêter aussi parce qu'il est donné partout là-bas. Jonquera, c'est là au milieu. Et on redescend gentiment vers le sud. Alors là, par contre, c'est que du bitume. J'ai pas trouvé de piste. Alors la piste du 4x4, là, qui est en noir, elle passe à travers une base militaire. Vous dire à quel point c'est vieux. Donc il va falloir faire le tour pour finalement atteindre la côte. Alors là, il y a une erreur de découpage. Donc je vais longer toute la côte toute l'après-midi. Pour poursuivre sur le Tréjon jusqu'au lieu où je vais dormir. Allez. Exceptionnellement, je te montre où on peut dormir sur la côte en haut d'une montagne, sur la Costa Brava. Juste là. Par contre, tu te démerdes pour retrouver. Hein. J'ai trouvé là où ils fabriquent les galets du Gave, de chez moi. En fait, ils naissent ici. C'est des petits galets de 4 tonnes. On a trouvé un nid de galets. Sinon la piste est superbe. C'est tout neuf en fait. Tout neuf ou tout refait quoi. C'est ce qui est le plus sympa de la piste aussi. Ouais, alors j'avais fait des images mais je les ai un peu paumées. Alors c'était vraiment le truc un peu paradisiaque, genre Gandalf il serait sorti au fond des bois. Normal, pas de problème, c'est dans le cadre. C'était vraiment magique ce lieu. Ouais, bah, j'arrête pas de m'arrêter. Mais en même temps, on va mettre des putains de vues. Déchirer les pupilles. C'est... Je sais pas. Des autres. C'est comme ça, demi-tour. De toute façon, il dure pas très longtemps en fait. Du coup, on est en France. Je sais pas d'où on est.
Bah, quitte à faire un demi-tour, moi, ce que je te propose, c'est d'arrêter de perdre du temps. Gaz! Mip, mip. À expliquer que je parlais pas français et que je comprenais rien à ce qu'il me racontait. Finalement, ils m'ont relâché, je suis reparti par la piste vite fait, la queue derrière. T'avais cru que 30 km, on avait pu laisser en 20 minutes. 3 heures. Et encore, on n'est pas arrivé. On va rentrer dans la montagne. Ça va être très joli. Je suis obligé de faire des détours quand même. L'itinéraire que je suis, c'est un très vieil itinéraire. Là, il y a carrément une zone militaire en plein milieu. Je sais pas quel âge elle a la trace, mais elle est méga vieille. Ouais, ça va aller. Par contre, il commence à faire bien chaud. Tu connais mon aberration pour le show. Elle a vu la mer. Oh,
Ouais, j'avoue. On n'est pas au bout du bout du bout du bout du monde des Pyrénées. Il est là-bas, le bout du bout du bout du bout. Ah, c'est pas grave. Hein. Par contre, j'hésite, hein, j'hésite vraiment. Parce que ce soir, soit je remonte dans la montagne, là, il y a moyen. J'ai trouvé des pistes, là, j'étais sur 600 mètres. La vue, elle est magnifique, quoi, pour faire un time-lapse. Soit, ben, justement, on va au bout du bout. Parce qu'il y a un village là-bas, on peut y aller. Mais on fait la fête. Regarde pas comme ça. Caminando, 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 voy solito, ya en busca de mi gitana, que lavando está el río. Caminando, 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 voy solito, ya en busca de mi gitana, que lavando está el río. Mora, vente tú conmigo, llevo la cintura, pistola y cuchillo. Mora, vente tú conmigo, llevo la cintura, pistola y cuchillo. La punta de la rodilla, la pantorrilla y el peroné. La punta de la rodilla, la pantorrilla y el peroné. Que tengo ganas de verte con mi primito Manuel. Que tengo ganas de verte con mi primito Manuel. ¿Dónde, dónde te la vas a llevar? Con los gitanos de Málaga tienen arte a reventar. ¿Dónde, dónde te la vas a llevar? Con los gitanos de Málaga tienen arte a reventar. Que tendrá Marbella, que tendrá la costa, que todo el que llega allí se enamora, 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 que tendrá Marbella. Et voilà, on a la Ultima, de là où on peut aller en moto, au moins au bout des Pyrénées. Et j'ai trouvé The Spot. T'es prêt? On va faire un timelapse après. Je sais même pas si je dois filmer la mer ou le ciel. Tellement c'est beau quoi. Ils ont attaqué la montagne. Putain, les cons, ils sont plus gros. Bon, c'est pas grave.